Mon fidèle Palico? Kiba, es-tu ici? Est-ce que ça capte? Ah, normalement ça capte, regardez. Regardez, l'antenne elle est là, l'antenne 5G de Kamura. Ah, quand ça flambe, c'est que c'est bon. On va faire le karaoké, Palico. C'est bon, ça capte, mais par... Mais il y a... Il y a de la latence, apparemment, il répond à des vieux messages. Donc... Ah, j'adore. En vrai, c'est très joli, hein. Les décors sont très reposants dans ce Monster Hunter Rise, décidément. Avec les petits cerisiers, là, qui sont là. Magnifique. Petite chute d'eau, là-bas. Ça, c'est le plan qu'on peut voir depuis la zone pile-poil. Comme quoi, il y a le... C'est crédible, en fait, tout ce qu'on voit là. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous allons chasser des monstres, n'est-ce pas, Kiba? Des monstres experts. C'est-à-dire des... Voilà, nous sommes maintenant sur les quêtes du grand camp. On a débloqué... On a fait l'intro, en fait. C'est-à-dire, maintenant, on a plein de choses à faire. Et je vais tout de suite me rendre... près de Minoto, puisque c'est désormais c'est à elle que je dois rendre des comptes. Et donc on a 5 quêtes à remplir, 5 quêtes clés pour passer à la suite. On va y aller doucement. Ah non mais ça déconne pas, je vais éviter quand même les quêtes doubles, j'ai pas envie. J'ai fait tout seul une quête, j'ai fait une quête du Kuluyaku. Il y en avait 2 et j'ai réussi tout seul alors que c'est une quête multi. Donc ça va, c'est pas si dur, mais bon... Et on va accepter cette quête. On va... Ah oui, demande de participation parce que oui, on va faire ces quêtes-là en ligne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, j'ai pas envie de... Genre, j'ai pas envie que ce soit trop redondant par rapport à ma... À mes premières parties sur Monster Hunter World. Et donc, avec Kiba, on va inviter du monde, n'est-ce pas, Kiba? Je touche du bois pour que ça reste comme ça. Eh ben, mets tes petits coussinets, là, sur ce joli comptoir en bois. On va manger la petite commande habituelle, avec des nouveaux dongos, d'ailleurs. Vous avez vu, il y a un dongo défenseur. Donc, qui me donne une défense encore plus importante. C'est fait partie des derniers trucs que j'ai débloqués, hein. On m'en a fait le prologue. Exactement. Et... On est parti. D'ailleurs, au passage, si vous posez la question de ce que c'est que ça... Ça, c'est si moi, je veux aider des joueurs, normalement. Et il estime que je suis hors ligne. Ouais, je sais pas. On verra. Allez, partir en quête. Puisque moi, je peux décider de regarder sur le tableau des quêtes. Si des joueurs ont besoin d'un coup de main, je peux les rejoindre. Donc, allez, on va avoir des copains. On va avoir des copains, mais par contre, on n'aura plus... Je crois qu'on n'a plus le Chemsky dans ce cas-là. Je vais voir un peu. Ah non, c'est... Bon bah Kiba, t'es resté à la maison. Kiba, il est souffrant. Donc, désolé Kiba. Kiba, il va faire la grève, il va dire « Oh, 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 pew !» Donc évidemment, maintenant, il y a plus de potions. Moi, je prends juste les miennes. Hein, on fait pas les crevards, on laisse pour les autres joueurs. Et normalement, des joueurs devraient me rejoindre. Peut-être, je sais pas. C'est pas les quêtes les plus intéressantes. Bah franchement, un grand Izushi, je pense que les joueurs s'en battent un peu les couilles. Mais bon, peut-être, on verra. On verra. Hop, un petit philoptère. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de maintenant jouer en ligne. Ça me paraît quand même plus simple. Et oui, comme j'ai dit, voilà, Grand Izushi, vous êtes revenu au début du jeu, là, hein, finalement. Hein, on l'a déjà vu. Même s'il est beaucoup, beaucoup plus puissant. Hop. D'ailleurs, au passage, vous savez que j'ai débloqué, hein, on avait vu la dernière fois, une nouvelle attaque... Je sais plus comment ils appellent ça. Des attaques spéciales là. Et donc je vais vous la montrer. C'est ça. Hop. Ah, ça a raté parce qu'il a bougé. Mais en gros, avec mon philoptère, je... Oh, Kiki, il lui est monté dessus. Avec mon philoptère. Hop, je donne un gros coup de pied à la créature en m'élevant dans les airs. Et je peux retomber en écrasant mon arme dessus, c'est plutôt pas mal. Mais ça nécessite d'avoir deux philoptères de livre. Je crois que c'est toujours le Chomsky qui vient, il me semble, oui. Regardez. Voilà, raté. Ce qui bouge, en fait. C'est le problème du Grand Izushi, c'est que... il bouge pas mal.
bien vu. Alors là, Kiki, il a beau être tout seul. Ah voilà, regardez, Ruffin a rejoint la quête. Donc oui, je suis vraiment en ligne. Ça ira plus vite, ça ira plus vite. En sachant que les créatures sont plus fortes quand on joue en ligne, hein, sinon ce serait peut-être un peu trop simple. Mais malgré tout, c'est quand même plus simple avec les autres joueurs. Ça te permet même d'avoir un peu la paix, c'est-à-dire les monstres sont pas entièrement focus sur toi. Et ça te permet de te soigner un petit peu. Regardez, il est là, Ruffin. Alors, Ruffin, ça a l'air des teintures. Alors... ah, et il y a un japonais qui nous a rejoint. Lui, bah, je suis désolé, mais son pseudo, eh bah, je vais pas l'énoncer. Hein. Ok, ouais, on a tous les deux notre Chomsky, mais pas de palico, hein, pas de palico. J'entendais un instrument, mais en fait, c'est quoi? C'est le Chomsky qui fait des instruments? Genre le Chomsky fait le rôle des deux? Je sais pas. Ah, et il y a Taria qui arrive. Ah bon, en fait, ça marche trop bien. Il y a beaucoup de monde, en fait, le jeu est un gros succès, donc forcément, il y a du monde en ligne. Je pensais, pour un grand Izushi, franchement, j'aurais personne. Le grand Izushi Joseph, quoi, c'est pas une quête très très épique. Et là, on va voir des vrais joueurs talentueux qui vont réussir leurs attaques, pas comme moi, tu vois. Ils vont me soigner, tout ça, enfin. Vont se servir de leurs armes et rester en l'air et faire des trucs incroyables. Alors je rappelle que là c'est un grand Izushi, hein. C'est la première créature, grosse créature que j'ai rencontré dans le jeu. Et le truc résiste quand même, hein. On est 4 joueurs à le gangbang. Et malgré tout, regardez ça, c'est très injuste pour lui. Mais encore une fois, plus il y a de joueurs et plus c'est compliqué, plus le monstre a de vie par exemple. Donc si il aurait été envisageable lui que je fasse la quête tout seul. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est le premier de la démo aussi. Ah bah c'est logique en même temps, c'est le... C'est Grand Izushi. Alors, l'arme de Viverne et du cuir de Grand Izushi Plus. Voilà, donc ça fait partie des nouveautés, on l'avait vu. Avec cette deuxième partie sur Monster Hunter Rise, hein, maintenant que le jeu a commencé. C'est qu'on obtient du matériel plus, et j'ai vérifié, il y a des nouvelles armures, les nouvelles armes, tout ça. Et... Même les minerais, vous savez, ou alors les tas d'eau. Vous savez, on voit des tas d'eau un peu partout. Et bah, il y a de nouvelles choses à trouver dessus. Donc en fait, tout a été renouvelé. Putain, mais regardez-moi tous ces joueurs en train de tabasser le coup de machin. Là. C'est injuste. Il y a 4 joueurs et donc 4 Chomsky. C'est pas gentil. C'est injuste.
Alors, bon, ils ont tous très bien joué, donc je pense que je peux leur mettre un like. Oui, je suis désolé, j'ai un moment, j'ai arrêté de parler parce que je me demandais ce qu'ils avaient fait. Envoyer, ouais, vas-y. Très bien. Ils ont très... Voilà, je suis très content de vous. Tu devrais envoyer un gem à tes compagnons, c'est bien ça. Ah, on m'a envoyé un gem à moi aussi. Oui, il y a une espèce de boule à un moment à côté de Diluzushi, vous savez pas ce que c'était. Et ça monte... Alors, attends, oui, c'est intéressant ce que tu disais. Un seul joueur, le grand Izushi a 8700 HP, et ça montre à 20 000, ou plus du double, quand on est 4. Alors c'est quand même plus intéressant, parce que c'est pas 4 fois plus, alors qu'on est 4 joueurs. Mais il reste quand même assez puissant. Hein. Donc oui, c'est quand même plus rapide, je pense, de le faire à 4. Merci les amis, nous nous reverrons. Et moi aussi... Donc, comme j'ai dit, je pourrais aller dans les quêtes d'autres joueurs pour les aider éventuellement dans leurs quêtes. C'est tout à fait possible. Mais ça, on le fait en général après. C'est-à-dire quand on a fait ses propres quêtes. Mais c'est... Ok, j'aime bien les stats que tu m'as trouvé là, du coup. Quelqu'un veut te parler? Trouve-le au village de Kamura. Oh, bivouac. Bivouac, c'est là. Ah, c'est le forgeron, lui. Manu, tu enchaînes les quêtes en ce moment, dis-moi. Figure-toi qu'on se surpasse aussi. Maintenant, on s'est forgé des armes spéciales appelées armes calamité. Mais on le sait, ça. D'accord. C'est vrai que maintenant, on a changé... Ah, tiens, il me reparle encore. On a changé de côté, hein, et du coup, il me dit les mêmes choses que l'autre forgeron. Les joyaux, tout ça. Oui, tu m'as déjà dit... Enfin, non, tu m'as pas dit, mais ton double m'a dit la même chose. Je pense que le Chomsky est toujours avec toi dans les quêtes des grands camps. Car il permet de te déplacer plus vite. Je pense aussi. On dit que les palicots, on sait tous qu'ils servent pas à grand chose. Mais non, Kibar, rassure-toi. Tu me manques beaucoup. Alors, heureusement que tu es là dans... Pendant que je fais mes chasses, je suis au téléphone comme ça. Ouais, Kibar, ouais, effectivement, il y a un grand Izushi. Ouah, il a une grande queue. Et il me parle. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Vous avez la retranscription de tout ça. Donc, une quête a été accomplie, et on va faire celle de l'Acnosome qui va être déjà plus importante. Hein, bon, l'Acnosome par contre, c'est la première créature qui m'a mis une rouste. Qui m'a mis une rouste monumentale quand j'avais testé les quêtes du grand camp en premier. Et là on y retourne. Voilà, là on y retourne en mode expert. Donc pour vous dire, déjà ça déconne un peu moins. Mais logiquement, c'est une créature assez faible quand même, quoi. Faut pas déconner. Moi, je soigne, au moins. Kiki soigne aussi, mais... C'est pas pareil. Bon. Attends, sois content, Kiba. Hein. Tu participes pas aux quêtes et je t'invite quand même à manger. Hein, je suis quand même très gentil, je trouve. Alors, on va faire un peu d'artisanat. Tiens, j'en profite. Pour faire les bombes tranquillisantes. 4 ? Qu'est-ce qui me manque là ? Ah oui, il faudrait que je retourne en acheter. Ah bah attends. Attends. Elle en vend elle aussi. Logiquement, elle vend tout ce que vend. Allez, voilà. L'autre gars. Je vois ses HP, c'est très beau. Ouais, c'est ça. En fait, toi, t'es un peu. Kiba, c'est mon. Ah, cadeau, si tu m'offres. Quoi? Ah, une bombe baril, ok. Kiba, c'est un peu mon... comment ça s'appelle? Vous savez, dans Batman, la fille handicapée, là, qui donne à Batou toutes ses indications, là. Tu sais, elle est sur l'ordinateur, elle lui dit, ok, tel méchant est dans tel endroit, tout ça, fais attention, Bruce. Là, je crois qu'elle sait qui c'est, en fait. Oracle? C'est Oracle, voilà. Kiba, c'est Oracle. Donc, allez, on est parti. Le Panifone. Je suis ton Miaou Nadger. Ah, c'est pas mal! J'aime beaucoup! Oracle, tout à fait. C'est Oracle pour moi. C'est-à-dire, il reste à la maison, il est là sur des équipements super sophistiqués, et il me dit tout ce qu'il faut. Voilà, c'est bon, ma demande de participation est activée, les autres joueurs, on l'a vu, vont probablement me rejoindre assez vite. Et ça, là, ce que je fais, vous savez quoi? Et surtout sur Switch, j'ai l'impression que bah, beaucoup le font pas. Les crevards prennent toutes les potions pour eux. Voilà.
Alors qu'en plus, c'est les premiers soins, comment vous dire? Ah là, les premiers soins à ce niveau, ça sert plus à grand chose, quoi. Mon Miaounager, j'aime beaucoup. Donc, il est là, le l'Acnosum. Alors, je vous avais vu aussi que je me suis dépêché, parce que j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Les quêtes vont vite. Je sais pas si ce sera possible de faire les 5 pour passer d'un niveau, d'un palier, là, en une seule partie, mais en tout cas, mon but est de m'en rapprocher. Allez, on prend ça. J'aurais dû prendre le miel au passage. Et l'Acnosum, le voilà. Petit enfoiré d'Acnosum, là. Tu m'avais mis cher, hein, la première fois. Tu vas voir ce qu'on va te mettre avec mes potes. Bim. Et donc, il va falloir que quand même, je me dépêche de faire évoluer mon équipement. Là, en fait, les ressources que je vais choper sur eux, je vais assez vite essayer de crafter quelque chose pour avoir plus de résistance et plus de talent, on a vu, hein. Parce que là, c'est très limite. Et surtout, je devrais pas tarder à voir quelles armes il est possible de crafter maintenant. Parce que pour qu'elles deviennent craftables, il faut que t'aies vu la ressource une fois. Et pour voir la ressource, déjà que t'aies vu le monstre une fois. C'est vrai qu'il est assez chiant, lui, hein. Qui va? Qui boracle? Dis-moi, combien ce Pokémon a de HP? HP un joueur, 13 000? What? Mais il y a un step-up de ouf! Et à 4 joueurs? Il y a combien? À 4 joueurs, il y a combien? 4 joueurs, ça doit être 20 000, un truc comme ça, du coup. 13 000? Tu t'es trompé, c'est limite 350, c'est ça? Et les joueurs là ils me rejoignent pas, hein. Genre j'étais là, ouais non. Autant le grand Izushi je vais bien le rejoindre, mais là. What? Alors je réitère, effectivement, va falloir que je fasse très rapidement quelque chose pour mon équipement. Ouais, vraiment. Il me fait pas trop de dégâts, j'ai encore de la chance, hein. Mais ceci dit, c'est qu'un Acnosum, quoi. Pour 2 joueurs, 18 000! Et à 4 joueurs? Ah, il s'est tiré! C'est vrai que sans les soins de Kiba, par contre, je suis un peu dégoûté. En online, il n'y a pas de lag? Non, non, non. Je sais que beaucoup de joueurs critiquent un petit peu l'online de la Switch, mais. Ça va, j'ai pas trop de problèmes. J'ai rarement des déconnexions, hein, sur Switch. Je joue beaucoup à Tetris 99 et ça se passe généralement plutôt bien. Je sais que c'est pas un réseau aussi stable et solide qu'un Xbox Live ou un PSN, mais n'empêche, ça passe. Je suis toujours tout seul, hein, ouais. Il est où le... Ah, il est là. Ah voilà, j'ai un japonais. C'est pas raciste du tout, mais ah bah allez-y, dites-le ton nom à vous, hein. Je suis sûr qu'il y en a un qui connaît le japonais là. Il va dire bah oui bien sûr, il est marqué, c'est Susaku. Alors et là je viens de faire un truc terriblement raciste. Je m'enfonce. 4 joueurs, 30 000 HP. On va y passer des heures. Là, en fait, maintenant qu'un autre joueur nous a rejoint, la bestiole a step up d'un coup et elle a grimpé à 18 000, c'est ça? 18 923. Bon, autant dire 19 000, hein. Il faut savoir que même les petites bestioles autour, là, vous savez, les petits Uchi, là,
Bah même eux, ils ont step up. Même eux, ils demandent plus de coups pour tomber, quoi. Voilà, bienvenue en enfer. Il faut que je pense à utiliser mon attaque phyloptère là. Voilà, bon bah j'ai essayé et il m'a écrasé la gueule. Il m'a littéralement écrasé la tronche. Toujours tout seul ? Enfin, je suis toujours juste avec l'autre joueur. Surtout, c'est un japonais un peu fou et il va me regarder faire. Il sait que maintenant la créature est plus forte. Genre, il est un peu raciste, il aime pas trop les Français. Il aime pas la baguette, alors voilà. Allez, regardez. Voilà, j'ai bon, j'ai réussi. J'ai mal exécuté la fin par contre, mais c'est à peu près ce que vous avez vu. Wouf! Ah, il y en a un autre, Yowa. Mais il branle quoi là, l'autre? Il prend bien son temps, quoi. D'accord, on va peut-être éviter de le toucher quand il fonce comme ça, là. Il est très beau, ce monstre. Il me rappelle mon palico, hein. Il a une tête de parapluie, on n'est pas très loin, quoi. Il me rappelle qui va. Ah, ça y est, j'ai ma pote qui arrive, je l'ai entendu. Elle a un gros marteau, enfin, il... Ouais, elle a une voix féminine, mais bon. Ah, on sait tous comment ça se passe, hein. On prend des persos féminins parce que c'est plus agréable. Ah, elle l'a fait, l'attaque, elle aussi. Par contre, l'autre, il est où? Il branle quoi, l'autre? Let's go. Bon, du coup, je suis en train de me dire qu'on fera peut-être pas les 5. Ça va peut-être prendre du temps. Mais ça change un peu, ceci dit. Ah, il est là. Tu t'enfuis! Oh, Pumba! Ils t'ont eu, Pumba! 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 Ouais, si vous avez reconnu, c'est une référence. Si vous me dites à quoi. Oh, oui, évidemment, au Roi Lion, mais celle-ci, je la compte pas. Hein. Allez, une petite attaque. Voilà, bim! Ah là, ça c'est une belle attaque. Alors ça c'est exactement ce qu'il fallait faire, vous l'avez vu. Mais le mec là en bleu il fait quoi? Apparemment il est en train de chasser un truc tout seul. Non, il est là pourtant, attends, il est où? Il doit être derrière. Putain, on lui a mis cher là par contre le pauvre. Et il a le parapluie tout abîmé. Ah ouais, non, mais là, il a vraiment, vraiment pris cher. Il s'est fait gang-bang, le pauvre machin. Ah, il m'a mis feu. Ah, que nous sommes partis des trucs. Bien, ça. Je vais en profiter qu'il est en train de chevaucher la biverne pour aiguiser ma lame. On va récupérer ça, hein, c'est du Kuluyaku plus, hein. Attends, ça vaut le coup. Le Kuluyaku, il a fait un petit passage éclair.
Genre je suis là et je ne suis plus là. Ok. C'est quoi ça? Il est passé où là que nous sommes? Ah merde, non, il est pas là du tout. Il est là-haut. Et là que nous sommes, il est pas encore blessé forcément. Il a tellement, c'est un sac à PV quoi. J'imagine même pas. Qui va? Juste comme ça là. Spoil-nous. Le Magna Malo. À un joueur. Combien de HP? Parce que ça fait peur en vrai. Hein. Ça donne le vertige là, les chiffres que tu m'as donnés. Oh, je vais récupérer le miel. D'ailleurs, il regarde. C'est un très beau duel. Allez, une petite partie détruite. Ah, il est vraiment en sale état, le machin. Ah, là, c'est le moment où il faut pas l'approcher. Attends, il va se péter la gueule. Voilà. Faudrait mieux pas être un Agnosum. Hein. Mais le pauvre, il est tellement en train de souffrir. Ah, il a quitté la quête. Bon, ça par contre, je pense que c'est pas... De son fait, je pense que c'est une déconnexion. Hein. On en parlait tout à l'heure. Putain, merde, il m'a frappé alors que le soin avait pas encore agi. Japonais qui a laissé une bulle de morve, mais un petit rhume. Il y a le corona. Ah, Kiki est pas bien. Alors attends, je me soigne un peu. Oh putain, non mais ça fait peur en vrai de se dire que là c'est juste là que nous sommes quoi. Et du coup comment ça se passe là, maintenant qu'il est remonté, qu'il est redescendu, qu'on est redescendu nous à deux joueurs, il est redescendu de vie aussi. Je sais pas trop comment c'est calculé. Dans ces cas un peu spécifiques. Donc en novice. Ah attends, je vais te dire ça après. Il va se péter la gueule. Et voilà. Attends, mais c'est pas un. C'est pas un palico que je viens de voir là? Pourquoi il a son palico lui? Mais Kiva il est où? Putain, je comprends rien ce jeu. Attends, le palico. Lui il a les deux? Attends, on peut choisir en fait? Non, il a pas son Chomsky lui. Mais comment on choisit celui qui nous accompagne? Ah, c'est ça, il a choisi. Attends, parce que moi si je peux, même si je peux plus me servir de... Tu vas me lâcher toi? Même si je peux plus me servir de mon Chomsky pour me déplacer, je préfère combattre avec... Avec Kiva quoi. Je crois que tu peux choisir. J'ai pas vu ça, mais oui, probablement quelque part. Bon, on va essayer de l'endormir du coup, il est là. Ouais, il est là. J'arrive.
Merde, j'ai... Allez, mais charge-moi! Allez, on va lui mettre un petit like. Il est assuré, là, ce petit japonais. Beau travail. Bon, bah voilà. Est-ce qu'il va me donner un like, lui? Tu me donnes pas de like, toi. Bon, j'aurais plus jamais de toucher. Alors, je crois que tu peux choisir... un expert, quête 7, 16 200. Et à un joueur, 3888. Donc, en novice et en expert. J'arrive pas à comprendre ce que t'as écrit, là, du coup, Kiba. Bon. Voilà, de là que nous sommes plus, tout ça. Et du coup, il n'y a que Kiki qui va gagner des... de l'expérience, ce qui est logique. Yata! 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 Bon, il va falloir que je trouve comment choisir celui qui m'accompagne. Mais comment tu fais? Kiba, t'as pas ça sur ton site magique? Ah, je peux changer la pigmentation de vos pile-poils. C'est peut-être le pile-poil qui est en premier, en fait. Voilà, et là, je mets... Chomsky. Ça doit être ça. C'est le pile-poil qui doit être en premier. T'as des niveaux de retard, du coup. Bon. Oui, oui. T'inquiète pas, Kiki. Bon, on va voir ça. Allez, je récupère tout ça et on va retourner en quête. Intéressant, en tout cas. Intéressant, mais finalement un peu long hein, par rapport à ce que j'avais établi. Alors là, allez, qu'est-ce qu'on dit là ce... Je pense... On va faire 4 quêtes. 4. Ça va peut-être durer longtemps. 4. Et tu mets en premier. Ok, c'est bien ce que j'avais vu. Merci Kiba. Merci Kiba, mon aide de camp, mon oracle. Manger. Avec mon armure dépassée là. Mieux vaut un excellent soin, je suis d'accord. En vrai, ouais, je suis d'accord. C'est le palico, il a des soins très très pratiques. Je pense que les... En plus, il attaque hein, le palico. Je pense que c'est mieux. Même toi qui es spécialisé soin, tu lances des petites attaques. Hein, donc, il y a un petit équilibre quand même. Alors, on va prendre le tétra. Mais le système de en multi, il est très simple en réalité. Il est peut-être dur pour un jeu, enfin quand tu sors d'un jeu multi plus classique, tu sais pas trop comment prendre ça, mais c'est juste que c'est propre à Monster Hunter, voilà. Mais sinon c'est assez simple, hein. Tu prends ta quête, tu dis tu veux être en multi, et voilà c'est bon, demande de participation activée. Dans Monster Hunter World, tu pouvais lancer une fusée aussi à un moment. Je sais pas si c'est possible ici. Et ça appelait d'autres joueurs en fait. Tu pouvais ouvrir ta quête comme ça. Et du coup... Kiba il est là. Donc Kiba il est là. Donc ce qui fait que je peux plus prendre mon Chomsky. Enfin je veux dire, je peux plus faire de voyage rapide quoi. Ouais tu choisis hein, c'est soit les autres joueurs. Soit un pile poil en moins. C'est qui? Ah oui, c'est le tétra. Ça, c'est marrant, le tétranodon. Je l'avais jamais affronté ici. Grand philoptère? J'ai déjà vu celui-là. Un tétranodon commence à 13 050. 13 050? C'est moins que le Locnosum. Le tétranodon est vraiment moins dangereux que là que nous sommes, hein, qui est une créature assez assez chaude quand même. Et moi je m'étais attaqué naïvement à elle la première fois, en mode expert, tranquille.
Je dis, oh, il est marrant, il a une tête de parapluie. Voilà, ça va donner ça. D'ailleurs, vous avez vu, mais le tétranodon, en fait, j'ai l'impression que c'est une référence à... Ouh ! Vous avez vu la corne qu'il a sur la tête ? C'est les démons japonais, là, de l'eau. Merde, comment ça s'appelle ? Kiba, je suis sûr que tu connais. C'est chiant, le trou de mémoire, là, comme ça. C'est chiant, en fatigue. C'est obligatoirement une référence. Là, c'est ces enfants un peu démoniaques là qui vivent dans... La légende japonaise vivent dans l'eau et ils ont une corne au-dessus de la tête comme ça. Et les cheveux verts. J'ai plus le nom. Ah, toi aussi. Y'a personne qui a le nom là. Mais je sais que... Ah, vous l'avez, vous l'avez. Même dans Animal Crossing, y'en a un. Un kappa, mais oui. Comme le mec sur YouTube. Non, sur Twitch, pardon. Pardon. On va mélanger torchon et cerveau, hein. Un kappa. Ah, il se gonfle. T'es très bien. Le fameux le fameux Kappa. Mais Kappa sur la miaoussagerie. C'est incroyable. Personne un jour a pensé à faire un Kappa avec une tête de Kappa, genre en lui mettant les cheveux verts et une corne sur la tête. Ça me semblerait tellement logique en fait. Putain, par contre, je suis tellement habitué à prendre Kiki. Bah j'appuie en vain sur la touche en me disant bah il est où ? Pourquoi il vient pas ? Mais non c'est vrai je l'ai pas là. Allez on se sert de ses pattes, allez ! Allez ! C'est bien ça fait le fessier là comme ça. Il est où ? Ah il est là. Ah mais il peut pas y avoir que des références à Street Fighter en même temps dans Monster Hunter. Tu me disais, Xenocide, que par commentaire sur une vidéo, là, il me disait que le Magna Malo faisait beaucoup penser à quel personnage tu m'as dit déjà de Street Fighter. D'Akuma, Akuma. Ouais, parce qu'Akuma, pareil, il a des espèces de lumières un peu violacées. Les couleurs se rejoignent un peu. Bon, bah, il aurait fallu que le Magna Malo soit un peu plus rouge. Ah, j'ai été rejoint par un japonais, évidemment. Bon, ça, c'est normal, il y a que des japonais qui jouent ça. Hein. Ah bah, c'est des cousins. Hein. Ouais, je suis japonais, mais vous savez pas. Alors. Voilà, très bien. Ce qui est dommage, c'est que là, du coup, on voit pas le nom des pile poil. Ah, cool. Je suis sur le coup. Ok. Incroyable. On voit pas le nom des pile poil des autres joueurs. Et c'était très rigolo sur Monster Hunter World. Voilà. Des pile poil. Enfin, parce que les pile poil ont été inventés avec Rise. Hein. Avant, ça s'appelait des félines ou des palicots, comme vous voulez. Il y avait pas les Chomsky. Et des palicots qui s'appelaient tête de bite, j'en ai vu beaucoup. Non, toi tu m'intéresses pas. Je t'ai déjà affronté. Voilà, là que nous sommes, c'est toujours intéressant. C'est un arbalétrier. Il est où?
Ouais, il y en a aussi. Alors, quand tu sais bien jouer l'arbalète, franchement, ça vaut le coup, c'est intéressant. C'est pas une arme facile à jouer. Elle est un peu chaude à appréhender. Mais par contre, il y a plein d'effets assez cool. Ça génère de l'endurance sur ce ramassé. Ah bon. Voilà, vous avez vu plein de choses nouvelles. Plein de choses nouvelles, en fait, je redécouvre le jeu, quoi. Bon, je sais pas comment passer autre qu'en allant ici. Et là, je suis tout lent, en plus, avec... Là, je peux pas monter sur Kiba, malheureusement. Ça fait bizarre, hein. C'est-à-dire, je veux savoir que Kiba, il a ce pseudo depuis très longtemps. Et donc, de dire des choses comme ça, bah, ça me fait bizarre. Je peux pas monter sur Kiba. Tu fais combien de temps qu'on se connaît, Kiba? Tu fais combien de temps... Ça fait combien de temps que tu as muté d'homme à chaton? Et Capcom tolérait le nom tête de bite? Je crois que c'était un peu censuré, tu vois, genre tu remplaces la bite par un L et c'est bon, ça passe. Ah, André, il arrive. Et là, il va... Mais merde, il est où là? Il s'est barré là. J'avais pas vu le tétranodon. André, il va venir, il va faire 20 joues. Tétranodon, je vais lui péter la gueule. Et il a l'accent de Willy dans les Simpsons. André le géant. Ah oh. Et qui va quand on a un palico, on n'aime pas le catch. C'est quoi ça? Alors, ils sont sur le coup, mes potes? Oh non. Il est tranquille, hein, le tétranodon. Il fait sa vie. Tiens, regardez là, ça, par exemple, les miniers. Les gisements miniers, et bah, y a des trucs que j'avais pas avant. Genre l'ithium et la carbalite, bah ça j'en avais pas. C'est nouveau. Et ça va me servir dans les nouveaux. Nouveaux trucs. Ah, il s'est endormi, quoi, truc, il est mignon. Alors. Ah, bah oui, mais faut pas dormir ici. T'es pas mieux à l'intérieur là aussi? Ah mais j'arriverai jamais à la faire cette attaque là, hein. Thanks, buddy. Elle est hyper classe, mais il faut réussir à la sortir, quoi. Mais ils font quoi les deux autres connards là, bordel, mais venez. Mais ils font du tourisme. Oh André, tu vends des chaussures? De tétranodon actuellement avec 3 joueurs. Ok. Je suis en train de me taper tout seul, hein, au passage. Ah, André! André, je suis désolé de m'être moqué de ton accent. André, son Chomsky, il est chelou. son Chomsky, il lui a fait un cosplay de tortue, quoi. Il est là le japonais. Il attendait André. En fait, les arbalétriers peuvent envoyer plein d'effets sur les monstres et tout ça. Ils peuvent les empoisonner, ils peuvent les sonner, il faut faire plein de choses. Vraiment, c'est super cool, quoi. Allez, je vais attaquer la carapace là. C'est pas souvent qu'on peut y avoir accès. Eh, hey, t'as eu ton compte? Oh, de la peau de tétranodon plus. Bon. Alors,
Ah, mais j'ai essayé encore une fois d'invoquer Kiki. J'ai pas du miel là sur cette carte. Parce que. Je commence à manquer de Posang. C'est là qu'il faut que j'aille. Non, c'est pas là. Ah, mais il y a un accès ici en fait. Il y a l'autre joueur qui m'a suivi. Ah, du miel! Cool! L'autre joueur il a dû dire oh là là, le boulet quoi. Tiens. Ah oui, il y a quoi maintenant ici? Un Mr. Freeze? Bon, ils sont là-bas, okay, ils sont sur le coup. Oh, André! André, il tape les. Les ptérodactyles là. Bon! Par contre, c'est vrai qu'au corps à corps, les arbalétriers peuvent pas faire grand chose. Donc en général, ils aiment bien quand toi tu les tanks, voilà, tu leur permets de garder l'aggro en fait. Et évidemment, pour avoir l'aggro, il faut taper fort. C'est celui qui tape le plus fort qui va maintenir l'aggro du monstre. Logique, hein, quelque part, hein, si tu lui fais mal, il va privilégier les attaques plutôt que celui qui lui fait 2 points de dégâts, quoi. Ah bordel avec son gros cul. J'avais dit que je ferais 4 chasses, ce sera pas possible. Ça va être bien trop long. Mais j'essaierai à chaque fois d'en faire 3. Si c'est possible, si c'est pas trop long. Voilà. Là, les joueurs se précipitent pas pour entrer, mais en fait, je pense que c'est normal parce que bah, c'est le Tétralodon, c'est pas lui qui a une armure ouf. Les gens ne se bousculent pas pour l'affronter, lui, c'est logique. Putain, mais je vais jamais la réussir cette attaque! Ah lui il réussit bien ses attaques par contre. Waouh, je lui ai un caillou dans la tronche là. Allez, on essaye. J'ai l'impression que les joueurs privilégient quand même les Chomsky hein, en multi. Je vais jamais réussir. Il m'a expédié dans la strat quoi. Oh, Calamity! Ah! Du coup, hop! Ses points de vie ont monté. Le boss, il a fait le boss. Le Tétranodon, il a pas compris là tout d'un coup. Il a regagné les points de vie, c'est beau. The fuck? Calamity avec ses doubles lames, attention! Ah, allez. Allez, hop! On va aiguiser tout ça. Et hop, 30 000 HP. Ouhou. Merci Kiba. J'aime bien ton encouragement. Tiens, il y a quoi ici là? Quoi ce machin là? Très bien, hein, quand on sait pas ce que c'est, on tape dessus.
pas, il y a des petits trucs qui... Pas mort, vous avez vu la résistance de ce petit machin? Je veux dire, en mode expert, même les petits trucs me tiennent tête, quoi. Ah, ça y est, il est mort cette fois-ci. Bon, on va découvrir, mais à mon avis, j'en avais déjà. Zamit! Il a pas d'amit, cuir charnu. Si t'as pas de Zamit, prends un curly. Ok. Hop, il est sur le ventre. Enfin, sur le dos, du coup. Comme ton poisson rouge quand il est mort. Tu te souviens de Bébert? Eh oui. J'ai vu un autre truc là, non? Non, j'ai vu un truc à ramasser, je crois. C'est quoi ça? Une version géante du Zamit. Ah ouais, eux aussi maintenant ils donnent des meilleurs équipements, hein, je vous l'ai dit. Maintenant il y a des possibilités d'équipement de partout. Pendant ce temps-là, il y a mes potes qui sont en train de prendre sur le tétranodon. Bon, cuir charnu, il m'a donné deux trucs lui. Écailles de requin, ok, et des huîtres. J'ai des huîtres qui va, non c'est vrai. Et bah il aime pas, c'est pour moi. Et maintenant, ouais, j'ai des giga huîtres. Ouais, j'avais des méga huîtres et maintenant j'ai des giga. Qu'est-ce que c'est ici? Un petit. Petit passage étroit là. Ouh, qu'est-ce que c'est? Méga 8. Oui. Ouais, non, je vais trouver un truc là. Ok. Ouais, un message ancien, voilà. J'étais jamais venu ici. Par contre, ici, j'ai jamais trouvé un autre camp, je crois. Une giga 8 max. Un gros glaire. Il y a un pont tout pété. Bon, on va peut-être les aider, hein, après tout, c'est ma quête. Et le mec, un peu gonflé, tu sais, il laisse faire sa quête aux autres. Bon, il est où? Il est là-bas. Je vais aller leur gueuler dessus un peu. Là. Vous avez pas fini? Faut taper le tétra, faut taper le tétra. Oh, mais ça valait le coup de découvrir. Bon. Ah, André, du coup, il s'est barré. J'aimerais savoir, du coup, il a perdu sa force, le tétra, ou pas? Là, par contre... tout à l'heure, je parlais du online de la Switch. Ouais, bon, bah, écoutez. Apparemment, celui sur Monster Hunter est pas ouf, en tout cas. Ça arrive trop souvent, ça. Je veux bien qu'il y ait des joueurs qui quittent. Et encore, ce serait étonnant, parce que quand tu quittes, tu... Bah, ça veut dire que t'as fait un peu ça pour rien, tu vois, c'est chiant. Là, il y a un souci quand même. Tétra, il est là. Ah, il a encore détruit une partie, je croyais qu'on avait tout. Ah, et du coup, il y a Feras. Aknosom a quitté la région. Ah ouais, d'accord, ils ont... D'accord. Ouais. D'accord. Kézu est apparu. Ok, ouais. Donc maintenant, les monstres vivent réellement leur vie, ils disparaissent, ils apparaissent. Ouais. Il y a ça dans Monster Hunter World, et je crois que ça peut concerner aussi des monstres qui sont ta chasse, en réalité. C'est-à-dire que t'es en train de chasser un tétranodon, tu lui as bien mis des dégâts, et il se barre. Très frustrant. J'ai réussi mon attaque!
pas tarder, je pense, à se sentir mal. Il y en a un qui nous soigne là. Et c'est quoi ces soins de ouf qu'ils font là? Kiba, pourquoi tu fais pas ça toi? Il y a de la musique et tout. Il y en a qui ont fait des petites emotes spéciales. Ah ça y est, on peut l'endormir. Marché. Quoi, ça a pas marché? C'est bon. On voit que le lagombi s'est barré, voilà. Vous avez envoyé un j'aime? Allez, je vous aime tous. Ah, c'est marrant ce système de j'aime. Moi, je me connais, hein, je vais leur foutre des j'aime à chaque fois. Genre... Ah, regardez. Je sais pas faire les emotes, j'ai pas regardé encore. Belle capture! Les cartes guildes reçues ont été temporairement stockées. Ok. Merde, rareté 6, hein. Bonus activé, bonus haute quête, 10%. Ah ouais, j'avais pas vu ça. C'est quoi ça? 80 points avant complétion. Obtenu. Poudre de vie x 1. Niveau supérieur pour Kiba. Ouais, ok. En plus, je récolte des choses. Ah oui. Bah oui. Kiba, Kiki le fait pas ça par contre. Toi, tu améliores la récolte. Donc... Ouais, non, mais en vrai, c'est bien d'avoir un palico. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Avant de se laisser, on va aller regarder ce que... Bah, débloquer l'armure du Tétranodon. Tétranodon Carcarias. Ah là là, quel humour. Je suis sûr que ça dira rien à personne, ça, d'ailleurs. Bon, armure, forger armure. Tétranodon. Ok, bah, le skin ne change pas, par contre. Hein. Je crois pas. Non, je crois que c'est les mêmes en fait à chaque fois. Tétranodon. Allez où Tétranodon, elle doit être assez. Elle est par là, elle est Udros, Baros, excusez-moi, Tétranodon. Ouais, c'est la même. Hein? La même. Ouais, c'est la même. Donc, normal, rapide, plus. Augmente la puissance de munitions. Ouais, c'est... ça c'est un truc pour arbalétrier par exemple. Haste makes waste. Take all the time you need. D'accord, très bien. Bon, mais écoutez, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu de me voir taper sur des monstres avec plein de joueurs. C'était le combat le plus injuste de l'histoire. C'était marrant. Merci à toi, Kiba, pour ta compagnie et pour ton aide précieuse. Voilà, et merci à vous de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, vous laissez un petit like, vous mettez un commentaire, vous partagez. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, dans la vie de tous les jours. Des bisous et à bientôt.